Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Albertini. Son nom ne vous dit rien, c'est normal. Sa vie est celle d'un homme normal, à la vie normale. Jusqu'à ce que l'histoire avec une grande hache s'invite dans son histoire et que la banalité du mal percute la banalité de son quotidien. Jean-Pierre Albertini s'apprête à raconter l'innommable, avec ou sans filtre. Et c'est ici que ça se passe, Jean-Pierre Albertini, bienvenue dans votre vie. On va la retracer à travers toutes les photos. On va en voir quelques-unes pendant l'émission. Approchez-vous, Jean-Pierre, et on commence avant vous. On a qui, là ? Alors, ça, c'est les racines les plus profondes de ma corsitude. Ouais. C'est mon arrière-grand-père maternel. Donc, le père de mon grand-père, que je vois déjà à côté. Simon, là. Ça, c'est Simon Albertini. Ça, c'est Pierre-François Albertini. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Déjà, son look, ça ressemble vraiment à un patriarche, biblique. Sauf qu'il était berger, lui, d'ailleurs. Je pense qu'il était berger. Il était de quel village, déjà ? D'Albertach. Oui. Donc, comme tous les bons Albertini. Ouais, il devait y avoir un Albert dans le passé. Ouais. Et donc, Pierre-François, il avait 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ouais. Un garçon, malheureusement, Christophe, est mort à la guerre. Et Simon, son frère, lui, a fait la guerre aussi. Il a été blessé à un bras, dans une tranchée, voilà. Il est donc revenu et il a été berger jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, sans doute par la diaspora corse de Marseille, on l'a fait venir à Marseille et il a travaillé pour ce qui n'existe plus aujourd'hui, ce qui était l'équivalent des douanes de l'époque. Ouais. Ce qu'on appelle l'octroi. Voilà. Ouais. Et donc, tous les jours, il prenait le train, le bus, le tramway, et il a rencontré ma grand-mère qui était contrôleuse dans les tramways. Annette. Était de Lyon. Et il avait quand même 15 ans de plus qu'elle. C'était un dragueur. Ah bon ? Et ils ont eu 4 enfants. Dont ma mère, Agathe, qui était l'aînée. Et ils ont eu 4 filles. Jolie Agathe. Alors, mon grand-père était un peu désolé. Il aurait bien aimé avoir un garçon. Mais bon, il n'a pas été malheureux avec ses 4 filles, un peu comme les 4 filles de Dr. March ou les 4 reines de Provence. Donc, Parlez-moi d'elle quand même, Agathe. Ah. Est-ce qu'on peut dire qu'une mère, c'est la femme de la vie d'un garçon ? Ah, carrément, ouais. Mais on peut le dire, Jean-Pierre. Risqué, vous pourriez le dire, vous aussi. Ouais, on peut le dire, Jean-Pierre. On peut le dire. C'est très fort. Ah oui ? Ouais. Surtout qu'elle avait... en fait, si vous voulez, c'était quelqu'un qui travaillait très bien en classe. Et elle a trouvé des institutrices qui lui ont dit « Non, mais il ne faut pas rester dans un milieu simple. Il faut absolument faire des études. » Et donc, elle est allée jusqu'en terminale. Et en terminale... elle a rencontré Étienne Albertini. Et elle est vite tombée enceinte. Et ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie. En fait, si vous voulez, elle participait à des soirées des Amicales Niolin de Marseille. Et elle avait 2 amies, 2 sœurs, qui s'appelaient Angèle et Françoise, et qui avaient à peu près le même âge. Et un soir, lors d'une fête, elle dit « Oh, regardez le beau jeune homme qui est là. » Et les 2 filles lui disent « Mais c'est notre frère. » Et donc... C'est lui. Et c'est lui. Oh. Voilà. C'était aussi un Albertini. Alors, c'était aussi un Albertini. Il n'avait pas de lien de parenté, mais c'était un Albertini. Alors, lui, ses parents étaient... son père était de Lozzi Corcia, et sa mère était Lorraine. Parce qu'en fait, on parlera peut-être après de mon grand-père paternel. Mais on va en parler maintenant. Il est là. Ah ! Il est là. Alors ça, c'est mon autre grand-père, Antoine-Louis Albertini aussi. Le hasard faisait que les 2 familles s'appelaient Albertini. Et alors lui, il était militaire, il a fait Saint-Mexan, et il était commandant. Donc dans le Niol, on l'appelait le commandante. Ah, d'accord. Et donc moi, quand j'arrivais dans le Niol, on disait le petit-fils du commandant. Voilà. C'est ça, donc c'est son fils qui est avec son cousin, là, c'est ça ? Voilà, c'est un autre cousin de Corcia aussi, qui s'appelle aussi Albertini. C'est un coup de foudre avec votre maman ou pas ? On peut dire que c'est un coup de foudre ou pas ? Alors, du côté de maman, c'était un coup de foudre. Mon père avait 24 ans. Il était un petit peu, il aimait bien papillonner ici et là.
Et donc, maman n'avait que 19 ans, elle était en terminale. Et disons que les choses se sont un peu accélérées alors qu'elles n'étaient pas prévues. D'accord. Voilà. Donc elle est tombée enceinte rapidement, votre maman. D'où la naissance de mon frère en 1939. Et donc ma mère a été obligée d'arrêter ses études pour s'occuper de son fils. Et donc ils ont été obligés de travailler tous les deux, donc mon père dans la police et ma mère dans l'enseignement. Votre père va être dans la police tout à l'heure. Donc, mais le mariage va tenir le coup quand même, hein, malgré ça. Ils vont rester mariés toute leur vie, vos parents. Hein. Oui, vous savez, oui. Aujourd'hui, peut-être que ça aurait été différent. Ouais. Mais à l'époque, ma mère était très amoureuse. Hein. Mais mon père, en fait, c'est un peu le hasard qui fait que... comme je vous dis, il papillonnait. Il est tombé sur cette fille qui était vraiment naïve. Enfin, ma mère m'a dit, j'étais une oie blanche, je ne savais rien du tout à la sexualité. Mmh. Et donc, ils se sont trouvés embarqués tous les deux. Alors, ils se sont mariés, je crois, en décembre 38. Et mon frère Louis est né en 39. Petit, on vous retrouve ici, justement, Jean-Pierre. Alors oui, ça, c'est avec mon grand-père maternel, donc. Effectivement, on voit d'ailleurs qu'il a un bras un petit peu plus court que l'autre. Oui, hein, exactement. Suite à sa blessure. Vous allez naître à Marseille, vous aussi. Alors oui, parce que mes parents, donc, se sont rencontrés à Marseille. Et donc Louis est né en 39, et moi je suis né en 45. Donc on a fait 39-45, à tous les deux. Et je vous ai mis avec votre grand-père, parce que là, pour le coup, une deuxième fois, il était fier. Là, parce que lui qui n'avait eu que des filles, là, ces petits garçons, il avait quelque chose. Il avait deux petits garçons, Louis et moi. Et là, on est sur la Canebière, je pense, à l'époque où des photographes prenaient, et puis après vendaient le cliché... Voilà, donc... Donc il est temps de parler de vous maintenant, de comment vous allez grandir avec ce passé et ce passif. On ne va pas en parler là, Jean-Pierre, on va en parler dans une autre pièce. Eh bien, avec plaisir. C'est par là que ça se passe. Ah d'accord, allez, je vous suis. Venez. Allez, Jean-Pierre, prenez place, Jean-Pierre. Voilà. Merci. Et donc, quelqu'un que vous connaissez bien. Qui ça? Ah oui, vous, figurez-vous, Jean-Pierre. Que là, j'étais en cinquième, au lycée Marseille-Vert à Marseille. Alors, j'ai mis ces deux photos pas par hasard. La première, c'est l'école. L'école, oui. Vous êtes bon à l'école. Oui, ça se passait bien. Parce que vous tenez aussi un petit peu de votre maman, il faut vous élever aussi dans la société. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis aussi la deuxième photo. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes avec des copains. Oui. Hein, et en fait, vous fréquentez beaucoup de fils de médecins, de fils. Et vous avez un petit peu cette frustration. Mon père était quelqu'un de heureux de ce qu'il avait. Et j'aurais voulu qu'il soit plus exigeant avec lui-même. Et c'est vrai que tous mes camarades de classe avaient des parents qui étaient médecins, architectes, avocats, qui avaient de belles maisons, avaient des jardins où j'étais invité, parce que étant bon élève, j'étais le premier, et on m'invitait le mercredi après-midi, qui était le jeudi d'ailleurs à l'époque, si je me souviens bien. Et ça a été une blessure. Mais bon, je crois qu'on a tous des blessures, hein. On n'a jamais exactement l'enfance qu'on aurait voulu. Blessure, et il y a même une terreur, et ça date un petit peu de cette époque-là. La terreur, c'est de vous retrouver sans rien aussi. Oui, alors effectivement... ça monte loin, ça. Alors oui, ça, j'ai une aversion au risque. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que je travaillais dans la banque, d'ailleurs. Il y a une autre terreur aussi de jeunesse. Dites-moi. Que j'ai matérialisée comme ça. Dites-moi. Ah... Ça, c'est une année 59. En 59, mon frère a 20 ans. Et le jour de ses 20 ans, il a résilié son sursis. Et 59, c'était la pleine guerre d'Algérie. Et donc, en février donc 59, ma mère était complètement désespérée quoi, d'avoir pris ce risque fou d'aller en Algérie. À Marseille, on prenait souvent le bateau pour venir en Corse. Et donc, elle a dit, on va voir partir Louis.
Et on est arrivé sur le quai. Il y avait cet immense bateau, avec tous ces jeunes qui étaient habillés en kaki, et on essayait désespérément de le trouver sur le pont. Et évidemment, le bateau est parti, on ne l'a jamais vu. Et ma mère était tellement anxieuse, que au mois d'août, elle a dit « c'est pas possible, on va le retrouver ». Et donc, on a pris le bateau, et on est allé à Alger. Bon, évidemment, on ne connaissait personne. On avait juste un contact avec la préfecture, par l'intermédiaire donc, des relations de mon père. Et on arrive sur le marché de Maison Carrée, le souk qui était en train de se terminer, et on nous dit bah, « la caserne est là ». Donc on avance vers la caserne, et à ce moment-là, devant les remparts, qui ressemblent un peu aux remparts d'Avignon, il y a un jeune qui nous met en joue comme ça. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors ma mère dit bah, « excusez-nous, moi j'ai mon fils qui est là, à Maison Carrée, on aimerait le voir ». C'est qui votre fils ? Il s'appelle Louis Albertini. Louis Albertini, mais putain, je le connais, venez ! Il est venu, il nous a accompagnés, il nous a fait rentrer dans la caserne. On a appelé mon frère, on était dans une petite pièce sombre, et mon frère est enfin arrivé dans l'encoignure de la porte. Il était là, avec le soleil derrière lui, et ils se sont pris dans les bras tous les deux. Et moi, je pleurais comme une madeleine. Et c'était tellement fort, ça a été un des moments les plus forts de ma vie. Et Dieu merci, il est revenu. Vous allez revenir en France, vous allez poursuivre vos études. Oui. Brillantes. Vous allez commencer une carrière dans la banque, finalement. Oui. Expert comptable. Donc jusqu'à 70 ans, effectivement. Ouais, avant cela, on va faire un petit retour vers le passé. Je suis resté en 2015. Si vous le voulez bien. C'est ça, c'est 1974, il y a quand même alors, la rencontre. Alors ça, c'est 74, donc là, c'est le mariage avec Louise. Juin 1974, le mariage avec Louise. Rapidement, une famille qui est fondée. Emmanuel en 75, Stéphane en 76, Caroline en 80. Et voilà, on a été heureux pendant 20 ans. Pendant 20 ans, et vous avez fini par vous séparer. Mais on va revenir avec lui. Ah, ça, c'est le... Ah, vous l'aviez, celle-là ? Je ne savais pas que vous l'aviez, celle-là. Vous l'avez trouvée où ? Je l'ai trouvée. Stéphane. Stéphane, donc c'est le deuxième, qui était né en 1976. Oui, 76. Parlez-moi un petit peu de Stéphane. C'était un jeune homme solaire, il paraît. Public relations. Mais naturel, en fait. Ouais. Un jeune homme brillant. Il va sauter de classe, Stéphane. Oui, ben peut-être que... Voilà. Je ne suis pas sûr que sauter de classe, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, il manque une maturité... Donc en sixième, il avait les félicitations, en cinquième, il avait les encouragements, mais il voulait travailler et gagner de l'argent. Donc très vite, il a travaillé pour un libraire, et en fait, au bout de cinq ans, il avait envie de gagner plus, et donc il a repris contact avec son ami d'enfance, qui s'appelait Pierre Innocenti, qui avait chez Livio, et en fait... le boulot qu'il avait là lui correspondait tout à fait parce qu'en fait, exactement. Parce que il connaissait beaucoup de gens. Et vous allez, et justement, en 2015, à votre retraite, justement, eh bien, vous allez le retrouver là-bas. Oui. Vous allez retrouver quelqu'un d'épanoui, finalement. Bien sûr, tout le monde le connaissait. On disait où est Stéphane, parce qu'il avait, comme vous disiez, un caractère solaire qui. Voilà. Bah, et comme tout le monde, il avait ses parts d'ombre, mais il avait ses éclats de lumière. Et c'était quelqu'un. Voilà. Et puis un jour de 2015, alors, vous êtes-vous dans le sud, vous êtes à Fort-Calquier, justement. Dites-moi. Et à Fort-Calquier, justement, ben, vous regardez ça. Ah oui. Hein, il y a un match de foot, vous regardez. Oui. C'est France-Allemagne, on est un vendredi 13, oui. 2015. Oui, j'étais avec ma mère. Et puis il y a des bandeaux qui commencent à défiler. Exactement. Sous l'écran, attentat à Paris. Exactement. Mais finalement, vous ne vous inquiétez pas outre mesure, non ? Pas du tout, parce que en fait, le soir, au moment de se coucher, vers 2h du matin, ma mère me dit « Mais est-ce que tu crois que tes enfants peuvent être concernés ?» C'est une question qui m'a paru hors sujet. J'ai dit « Notre fille aînée est en Afrique. Stéphane, il travaille tous les soirs au restaurant. » À l'autre bout de Paris. Complètement à l'ouest, si on peut dire. Et sa sœur, un bébé de 18 mois... elle habite aussi à l'ouest de Paris, donc je vois pas, et je dis ben non, non, et on va se coucher. Et sauf que le lendemain, quand vous vous réveillez,
la mère de Stéphane me téléphone en me disant, voilà, il était au Bataclan. J'ai appris voilà, par notre deuxième fille que Stéphane était au Bataclan et qu'on n'a plus de nouvelles. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est allé foutre au Bataclan, quoi? Et alors, la journée du samedi a été horrible, parce que moi, j'étais avec ma mère, j'étais allé la rejoindre pour fêter son anniversaire, faire une anniversaire surprise, comme Stéphane me l'avait fait pour moi, au mois d'avril. Et toute la journée, j'ai été entre ma mère, à qui j'essayais de cacher la réalité, et ma fille, qui me donnait des nouvelles pas très bonnes, quoi. Quand on vous dit, donnez-nous l'adresse de son dentiste, est-ce qu'il a des caractéristiques particulières, des cicatrices, etc. J'ai dit, bon, c'est foutu. Et ce n'est que le dimanche matin qu'on a su qu'il était à l'Institut médico-légal. Et donc moi, j'ai été obligé de dire à ma mère, je me revois dans le couloir en disant, maman, je vais t'annoncer un drame. Un drame est arrivé, Stéphane était hier soir au Bataclan, il est mort. Et là donc vous allez prendre la voiture, le train. Je prends le TGV. Je suis monté à Paris et là bon, on va voir Jean-Pierre. On va voir jusqu'où vous allez aller justement à Paris. C'est dans une autre pièce. D'accord. On va en parler. D'accord. Allez, venez avec moi. Ouais. Le soir même, ma deuxième fille me dit, si tu veux, je t'accompagne à l'IML demain. Et on y est allé. On y est allé. Let's go. Jean-Pierre, donc, vous arrivez à Paris. Et à Paris, vous avez rendez-vous. Ici. À l'Institut médico-légal. Oui, alors là, vous avez le côté qui est le long de la Seine, je pense. Ça, je pense que c'est l'entrée, sachant que les corps arrivent de l'autre côté. Et nous, là, le lundi matin, avec ma fille cadette, il y avait peut-être 150 personnes qui étaient là. Autant il faisait beau le 13 novembre, autant il faisait froid le lundi suivant. C'était gris, tout le monde pleurait, c'était l'horreur. Et donc, des bénévoles nous ont accueillis avec des boissons chaudes, parce qu'on a poireauté quand même de 11h à 17h pratiquement. Des psychologues nous ont dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? J'étais furieux, j'ai dit, mais on n'a pas besoin d'aide, c'est pas nous qui avons besoin d'aide psychologique, c'est fou, quoi. C'est, vu ce qu'ils ont fait, c'est sont eux qui sont malades. Au bout d'un dédale de couloirs, de documents à remplir, on voit une psychologue qui nous dit « Vous allez avoir 15 minutes pour dire adieu. » Et la salle dans laquelle vous allez entrer est divisée en deux. Au milieu, vous avez une grande baie vitrée. On va tirer le rideau et vous aurez votre fils qui sera derrière la vitre. Et donc, on est rentré. C'est certainement le jour le pire de ma vie. Hein. C'est un naufrage. Et donc Stéphane était allongé derrière la vitre, avec un linceul jusqu'au cou. Il était d'une beauté. Je me suis dit vraiment, là, cette nuit-là, la laideur l'a emporté sur la beauté, quoi. Et au bout de 15 minutes, il a fallu le quitter. 15 minutes, ouais. Et pendant le procès, j'ai entendu des gens à qui on a dit 5 minutes. Et nous, on avait de la chance, parce que la psychologue nous a dit, vous avez de la chance, tout est relatif. Son visage ne montre pas de souffrance, il a dû être tué très rapidement. Et donc, Après, l'Institut médico-légal. Il y a ça après. Oui, ça c'est le vendredi, je crois que c'est le 27. Alors ça, c'est vraiment les Invalides, oui, ça c'est la cour d'honneur des Invalides. D'abord, il y a l'enterrement. Hein, Alors il y a eu d'abord l'enterrement, effectivement, à Neuilly-sur-Seine. C'était Saint-Pierre-de-Neuilly. Il y avait bien sûr beaucoup de monde. Avec le diocèse Alvare Gine, que vous avez fait résonner. Oui, bien sûr, on a commencé par le diocèse Alvare Gine. Et là, c'était une journée terrible, parce que... Et j'ai mis cette photo, parce que dans cette foule, là, Jean-Pierre, là, parmi cette foule, quand vous venez là, à l'hommage, vous reconnaissez une silhouette dans cette foule. Vous reconnaissez lui. Alors, c'est pas ce jour-là. Ah. Je revois ton visage, tes yeux et leurs
passé. Quatre ans après, le 13 novembre 2015, je tape sur Internet Stéphane Albertini Bataclan et je tombe sur une chanson dont le génériste de fin disait dédicace à Stéphane Albertini, à toutes les victimes. Donc je vois qu'il s'appelait Captain Boogie, donc je m'approche de lui et je lui dis, vous êtes bien le Capitaine Boogie. Il me dit, oui, pourquoi? Et il me prend dans ses bras et me dit non. Et je lui dis, mais expliquez-moi. Il a compris qui j'étais. Il me dit, bah, quand je suis sorti par l'issue de secours, votre fils était là, il savait qu'il était blessé. Parce qu'on va, on va justement... C'est ça qui est dingue dans votre histoire, c'était que votre fils, il est enterré, il y a l'hommage, ah oui. Mais vous n'en savez pas plus sur sa mort. À l'IML, nous a jamais dit, on vous a jamais dit de quoi il est mort. Et lui, un jour, donc effectivement... Il vous raconte, en fait, l'histoire. Oui, il est sorti par l'issue de secours avec Stéphane. Stéphane était déjà allongé et il m'a dit qu'il était blessé, il savait, il m'a donné son nom. Mais j'ai demandé à des gens de s'occuper de lui et je m'en suis occupé d'autres personnes. Comment est-il passé du passage jusqu'à ce local? Vous allez mettre du temps pour la vérité. Et la vérité, en fait, venez, on l'a là. Et vous allez nous expliquer un petit peu où ça en est. Voilà, on a ce plan du Bataclan. Oui. Expliquez-nous un petit peu, avec ces témoignages, vos enquêtes, ce qui s'est passé vraiment pour votre fils, en fait. Eh bien, Stéphane était... Alors ici, il y a un gros pilier, et Stéphane était contre un pilier, un gros pilier qui est là. Et en fait, quand ils sont rentrés, ils ont évidemment tiré sur le bar. Je pense que Stéphane s'est échappé par l'issue de secours, et c'est là, donc, dans un premier temps... que Capitaine Boogie l'a trouvé allongé. Allongé, là, il était encore vivant quand il était là. Il lui a dit à Capitaine Boogie, je m'appelle Stéphane. Oui, mais il était mortellement blessé. Hein. Mm. Vu la blessure qu'il a eue, une seule balle a suffi. Hein. Elle a traversé de part en part. Elle est rentrée par l'arrière, elle est ressortie par l'artère fémorale. Donc il est mort certainement d'une hémorragie interne massive. Hein. C'est ce qui était dit dans le rapport de l'IML qu'on a eu bien plus tard. Et cette vérité que vous découvrez peu à peu, on n'en parle pas trop finalement autour de vous. Et il se trouve qu'un jour, j'ai mis cette photo, Jean-Pierre. Ah oui, vous l'avez trouvée, vous, celle-là. C'est pas moi qui vous l'ai envoyée. Stéphane avait un petit garçon. Bien sûr, qui avait 4 ans à l'époque. Après la mort de Stéphane, vous allez le garder de temps en temps le mercredi. Oui, tous les mercredis, oui. Et un jour, un 13 novembre, ça tombe un mercredi. 2019, 4 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le matin, il y avait les commémorations devant le Bataclan, donc on y assistait. Et l'après-midi, à 14h, donc je vais retrouver le fils de Stéphane. Et alors, je dis, bonjour, comment ça va? Et sa nourrice, qui est une franco-marocaine extrêmement attentionnée, dit, oh, ben, aujourd'hui, ça va pas très fort. Alors, je jouais un peu le naïf en disant, mais c'est mercredi, il n'y a pas d'école. C'est le jour des papis et des mamies. Et il disait, non, non, c'est le jour où papa est mort. Il avait les larmes aux yeux, mais... Il n'a pas pleuré, il a retenu ses larmes, et c'est ça qui était douloureux, parce que je me suis dit, il maîtrise sa tristesse. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'écrive combien son père et lui étaient tellement amoureux l'un de l'autre. Et vous l'avez écrit, justement. Voilà, c'est le livre. Effectivement, à partir de cette date-là, je me suis dit, je vais écrire, donc je suis rentré chez moi, j'ai commencé à écrire comment on avait annoncé au petit garçon, et puis le bonheur qui était le nôtre avant, la nuit du 13 novembre en détail, parce que je pense que pour les lecteurs, c'est bon de reconstituer. Très, très, très fort ce livre, Jean-Pierre. Très fort, effectivement. C'est impressionnant. Ben, c'est une petite histoire dans la grande histoire. Hein. Vous n'avez pas pleuré pendant longtemps, non. En fait, après la mort de Stéphane. Stéphane est mort, c'était pas tellement dans la réalité, en fait. Et en fait, on va aller sur cet écran, vous allez me dire si je me trompe peut-être. Je pleurais beaucoup, mais je ne me suis pas fait aider. Et en fait, et au bout d'une année, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que, est-ce que c'est ça qui fait que... Est-ce que c'est pas à Nice, les attentats? Alors oui, exactement. Hein, exactement. Le 14 juillet, vous êtes l'année d'après. 14 juillet. Vous êtes à Nice. Je suis à Nice, oui. C'est oui. Un truc de dingue. Quelques heures ou quelques minutes. Ah oui, à midi, on déjeune avec la famille de mon frère. Ouais. Et on dit, ben, on ira, chacun va passer une soirée. Et moi, je me dis, ben, je vais aller regarder le feu d'artifice. Et je me trompe d'heure.
Je croyais que ça commençait à 23h. En fait, ça commençait à 22h. Donc je sors à 22h et en fait, le feu d'artifice commence. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de marcher jusque vers le Negresco. Je reste là où je suis, au début de la plage de Caras. Je rentre chez moi et puis je vois 86 morts. Donc effectivement, c'est par rapport à ça et par rapport à l'approche du premier anniversaire que là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut se faire aider. Et j'ai quand même un autre projet maintenant qui est de faire construire une statue à Neuilly-sur-Seine, proche de la porte de Maillot, en souvenir des 131 morts de cette nuit-là. Voilà, c'est mon projet que j'espère réaliser dans les mois qui viennent. Avant cela, Jean-Pierre, ça ? Oui, alors effectivement, ça c'est le procès qui a lieu actuellement. Mmh. Et ça fait effectivement partie du chemin de résilience et de reconstruction. Vous avez témoigné il y a peu de temps, effectivement. Vous avez pris la parole face à eux. Oui, ils sont derrière les vitres. Il y en a 11 qui sont derrière les vitres, 3 qui sont devant, parce que ceux-là sont en prison préventive, si on peut dire. Et on est là uniquement pour témoigner. Vous les avez regardés, alors ? Oui, on les a regardés. Ils ont l'air... Ils ont l'air normaux, hein. Ils ont l'air normaux. Ils écoutent, ils sont obligés d'écouter. Quelquefois, le président leur dit « arrêtez de parler ». Il y en a un qui a le culot de dire « ah, mais ça fait 5 ans que je n'avais pas vu mon ami, mon frère ». Parce que justement, je n'ai pas envie de terminer sur cette image-là. On va terminer avec une image et un sonore, si vous le voulez bien. C'est avec ça. Qu'est-ce que vous allez me faire comme surprise ? Bonjour, vous êtes sur le portable de Stéphane, je ne peux pas vous parler, merci de me laisser un message, à bientôt. Oui, pressé comme toujours. vous avez gardé... Ah, bien sûr, toute la famille l'a gardé. Et quand je vais sur son tombeau, quelquefois je mets ce message-là, j'espère qu'il nous parle de là-haut et qu'il nous entend. Voilà. Ben, on va y penser maintenant, nous aussi, à Stéphane, grâce à vous, parce que c'était important. Venez vous mettre à côté merci de moi, on va immortaliser merci aussi. De votre invitation, Mais non, merci à vous d'être venu un petit peu. C'est court finalement, hein. J'espère qu'on fera une saison 2. Ah, ou alors la prochaine fois, c'est moi qui vous interroge. Si vous voulez. Voilà, on fera votre curriculum et vous m'enverrez vos photos. Ça sera mon poignet, en tout cas. Merci infiniment. Merci infiniment. Là, je sais que vous repartez sur Corté, hein, avec vos cousins, oui, Jean-Pierre. On va faire les signatures des livres et dédicaces à Corté, à Bastia. Un de ces jours. Donc. Voilà. Et la prochaine fois, vous me donnez vos photos. Si vous voulez. Si vous y plaît. Merci.